Hey! Salutations, tête de naze, c'est moi le chef! Et aujourd'hui, une petite chef réaction. Ouais, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait parce qu'il se passait pas grand chose de particulier. Bon, tu me diras, j'aurais pu parler des trailers de Bleach et de l'attaque des Titans saison 3, mais j'avais pas envie. Et là, ce week-end, bon, j'étais au-dessous mes fan days et tranquille, j'étais dans le train. Qu'est-ce que je vois sur Twitter? On annonce un animé Dragon Ball Heroes. Donc là, j'étais circonspect, je fais putain, je suis dans le train! Casse-couille! Sinon j'aurais fait une vidéo directe, du coup j'aurais agi un peu tard, mais bon. On s'en fout, l'important c'est que j'en parle. Et du coup, depuis ce jour, on me pose beaucoup la question sur les réseaux sociaux. Bah qu'est-ce que t'en penses de Dragon Ball Hero, chef? Canon, pas canon, qu'est-ce qui va se passer? Bah on va en parler aujourd'hui. Alors déjà, avant, on va pas. Qu'est-ce que c'est que cet animé Dragon Ball Heroes? C'est quoi Dragon Ball Heroes? Bon normalement si t'es un fan de Dragon Ball. Même si t'as jamais joué à Dragon Ball Heroes, c'est compliqué parce que pour jouer à Dragon Ball Heroes, déjà faut être au Japon parce que c'est un jeu d'arcade japonais en fait. Il y a un manga Dragon Ball Heroes que j'ai même pas pris la peine de lire parce que Dragon Ball Heroes, pour être clair, c'est un immense produit dérivé. C'est un peu le Pokémon version Dragon Ball. Dragon Ball Heroes, c'est le concept où tu prends tous les concepts existants dans l'univers Dragon Ball et tu les mélanges, tu fais n'importe quoi, y a plus de règles. Voilà, genre tu peux faire un Bou qui a absorbé Baby D, tu peux faire un Bou qui a absorbé Broly, tu peux faire des fusions Vegeta Trunks, Gohan Adult Trunks, Gohan Goten, je crois qu'elle n'existe pas celle-là, mais ça ne serait tardé. Tu peux faire toutes les fusions, toutes les transformations inimaginables. Tu peux faire s'affronter Bardock et Broly, tu peux faire en sorte que Goku chez Super Saiyan 4 se batte contre Goku Blue. Voilà, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi avec l'univers de Dragon Ball. Et moi, ce jeu, je le trouve plutôt stylé. Les cartes sont super jolies. En vrai, hein, vraiment, je suis toujours étonné pourquoi ça sort pas en France les cartes Dragon Ball Heroes. Ou alors c'est disponible et je suis pas au courant. Parce que franchement, ça cartonnerait même s'il n'y a pas le jeu avec. Elles sont magnifiques les cartes Dragon Ball Heroes. J'en ai acheté quand je suis allé au Japon. Et je compte bien en racheter quand j'y retournerai. Si j'y retourne, Inch'Allah, comme on dit. Mais voilà, Dragon Ball Heroes, c'est complètement débile. Dans un sens, parce que tout ce qui est canon, pas canon, on s'en bat les couilles, finalement. Ou alors c'est justifié par le fait qu'en plus, oui, en fait, il vient d'univers parallèles, des timelines, des trucs comme ça. Ça exploite un peu le délire de Dragon Ball Xenoverse. Aussi, hein, Dragon Ball Xenoverse, je connais un peu le délire de loin. Ça explore un peu le lore Dragon Ball dans son ensemble. Hein, que ça soit que ce soit film, TV spécial, jeux vidéo, des trucs qu'on n'a pas vu dans le manga qui ont été juste évoqués ou qui font partie du lore plus ou moins officiel, genre les Makaioshin, par exemple. Bon, on n'en a jamais entendu parler dans le manga ou dans l'anime, mais dans plusieurs produits dérivés, on en entend parler. Du coup, ils ont choisi d'exploiter ça, par exemple. Donc, quelque part, il y a des bonnes idées dans Dragon Ball Heroes, finalement. Il y a des bonnes idées. Bon, a priori. Ce premier épisode de cette nouvelle série sera diffusé le 1er juillet 2018 à l'occasion d'un tournoi Dragon Ball Heroes, d'un événement Dragon Ball Heroes. À l'heure qu'il est, on sait toujours pas si ça va être. Pareil, ça va être une série parce que ça a été annoncé clairement au épisode 1. On sait toujours pas il y aura combien d'épisodes ni comment ça va être diffusé. A priori, ça sera pas diffusé sur l'horaire de Dragon Ball Super, sur la chaîne de Dragon Ball Super. Parce que là, il y a un autre. Il y a un autre animé en ce moment. Donc, est-ce que ça va être un truc sur le net? Est-ce que ça va être un truc purement promotionnel? Est-ce que ça va être des OAV? On sait pas encore où ça va en être. On sait même pas combien il va y avoir d'épisodes. Mais, a priori, de quoi va parler cet animé? Parce qu'il faut bien une histoire. Faut bien qu'est-ce que ça raconte derrière. Bon, alors on sait à peu près quel arc ça va. Quel arc, quelle partie Dragon Ball Heroes, le jeu vidéo. Ça va adapter, c'est-à-dire la dernière partie en date qui va parler de planète prison, de trucs comme ça avec Trunks qui va en prison tutti quanti. Mais je vais te faire le petit résumé avec la bande-annonce du jeu pour que tu vois à peu près de quoi il en retourne. Ouais, et après on en discute. Bah bien sûr. Goku Super Saiyan 4 versus Goku SSGSS Super Saiyan Blue. Une super bataille se déroule sur une planète inconnue du nom de Planète Prison. Trunks revient du futur pour s'entraîner avec Goku et Vegeta. Mais alors qu'il s'entraîne, il disparaît subitement. C'est alors qu'un homme mystérieux du nom de Fou apparaît soudainement pour expliquer aux autres que Trunks est enfermé sur la Planète Prison. Un mystérieux établissement existant dans un lieu inconnu situé entre les univers. Le groupe va alors chercher les Dragon Ball pour libérer Trunks. Ils ne savent cependant pas qu'une super bataille sans fin les attend. Goku et les autres vont-ils réussir à sauver Trunks et à s'échapper de la Planète Prison? Vous le saurez dans les prochains épisodes! Ouais! Bon.
Et là, je vais être honnête avec toi, ça va même te sembler peut-être étonnant ce que je vais te dire. Mais ce synopsis me botte bien, en fait. L'idée est cool. Que Trunks aille en prison a priori pour ses crimes temporels. Je trouve ça que c'est une très bonne idée à exploiter. Voilà, ça c'est pas mal. En plus, le nouveau personnage qu'on voit, il a un design un peu DBZ à l'ancienne. On voit plein de trucs nouveaux. Il y a plein de concepts sympas avec les planètes encerclées par une grosse chaîne. Ça part dans des délires cosmiquement cosmiques qui n'ont aucun sens, mais qui sont géniales avec le côté temporel, univers parallèle, grosse planète, gros pouvoir, personnage stylé, nouveau méchant. Conséquences par rapport au lore de Dragon Ball et des événements de Dragon Ball Super aussi, quelque part. J'ai envie de dire, comme ça, au vu de la bande-annonce, ça a l'air cool. Alors oui, certes, le côté canon... Ah, arrivé là, on n'en a plus rien à foutre. Parce que là, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Dragon Ball, aujourd'hui, c'est plus vraiment une œuvre. C'est une licence. C'est-à-dire que ça existe, non pas pour te raconter des trucs, mais pour te vendre des trucs. Donc, quelque part, c'est un peu chiant. Ça, c'est un peu casse-couille. Mais en dépit de ça, parce que là, on arrive là, on va encore plus loin avec la Toei, ils vont encore plus loin, parce que on a eu les films... pas canon bah pour vendre des places d'Ocinoche et faire du pognon. On a eu des TV spéciales, maintenant on va avoir des séries pas canon entièrement, parallèle, spin-off, dérivé de tout ce que tu veux, pour nous vendre des machins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On arrive dans un stade où on n'en a plus rien à foutre de rien. Mais en dépit de ça, bah là tout de suite, franchement, et ça me fend le cul de le dire, mais parce que c'est une réalité, ce synopsis et cette bande-annonce sont, de fait, si on fait un constat le plus froid possible, bah ça a l'air d'avoir beaucoup plus d'idées que l'intégralité de Dragon Ball Super qui, selon les dires, nous sort directement de la tronche de Toriyama. Voilà, je suis plus hypé pour un truc qui va pas être canon, qui va foutre le bordel, parce que on va me dire « Oui, mais du coup, Broly, il est canon, du coup, nanana, nanana. » Bon, évidemment que non, ça changera rien à ça. D'ailleurs, j'ai fait une interview du créateur de Broly il y a pas longtemps. On en a discuté vite fait. C'est bientôt sur la chaîne. Je tease. Mais voilà. Là où ça va être intéressant de voir, c'est qu'au vu du synopsis, au vu de... Bah, après, il faut pas se fier à l'animation. L'animation, là, c'est un trailer d'une minute trente. Forcément, c'est plus stylé qu'un épisode de 26 minutes. Mais voilà, faut pas se fier à l'animation. Mais rien qu'au synopsis, aux idées... même si ça va pas forcément raconter grand chose, le synopsis est cool. Le synopsis est cool, on découvre un pan de l'univers, il y a des conséquences à ce qu'a fait Trunks. Ça a l'air vendeur. Moi franchement, je suis super curieux de voir ça. Bon après, il y a le truc complètement débile, complètement bidon. Là on est en mode crossover, Marvel Comics, DC Comics, tout ce que tu veux. Là, ils veulent nous vendre un Goku SJ4 contre Goku Super Saiyan Blue. Or, certes, c'est full fan service. C'est full fan service, ça n'a aucun sens, c'est bidon, c'est débile. Peu importe comment ils justifient le fait que les deux se rencontrent. Quelque part, on sent pas les couilles de pourquoi, comment ils se rencontrent. Peu importe la justification, ça sera du putain de fan service de ouf. Mais même moi qui fais joueur en critique, moi j'aime bien qu'est-ce que ça raconte, je suis désolé, tu me vends un SJ4 contre un Goku Blue, il faut que je vois ça. Mais là c'est le fanboy de merde en moi qui dit il faut que je vois ce truc là. Mais ça me fait chier parce que, en fait, les idées sont intéressantes, mais pourquoi on n'a pas eu d'idées comme ça dans Dragon Ball Super? Pourquoi? C'est ça que je trouve dommage. Je suis plus hypé par un produit dérivé qui n'aura ni queue ni tête, qui sera plus que fanservice, mais il me propose des idées plus bandantes. Comment ça se fait? Moi, je comprends pas. Donc, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner, peu importe sur quelle plateforme ça sera diffusé, combien il y aura d'épisodes. On en reparlera pour la passion, bien entendu, mais... Imagine un instant que ça soit plus, que ça soit réellement mieux à tous les niveaux et même scénaristiquement, vraiment. Imagine que ça raconte plus de trucs, que les personnages soient vraiment développés, qu'il y ait vraiment un truc de taré.
et que ça soit réellement mieux que Dragon Ball Super. Alors que ce truc-là, on est sûr. Là, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, je veux dire. On sait à 20 000% que ce truc-là, il l'appelle même comme ça. C'est un animé promotionnel. Ce truc-là va être une pub en plusieurs épisodes. On le sait, ils nous le disent, ils nous le cachent pas. Mais imagine, même avec des intentions purement mercantiles derrière, que c'est plus de cœur que Dragon Ball Super. Imagine un peu. Comment ce serait méga triste, putain. Ce serait méga triste, de ouf. J'aurais mal à mon Dragon Ball. Moi, je serais content parce que j'aurais pu kiffer 2-3 épisodes stylés, tu vois. J'aurais pu avoir du fanservice, du truc comme ça. Mais si en plus, derrière, il y a une vraie histoire, il y a du vrai développement de personnages, il y a des vraies pures scènes, une animation pas trop dégueu, des musiques stylées, et que c'est mieux que la suite réellement officielle de Dragon Ball, ah, ça sera triste. Ça sera un jour sombre. Ça sera un jour sombre. Réellement. Réellement. J'en ai rien à branler, finalement, des canons, pas canons, je m'en fous, tu vois, mais ça, ça me ferait mal au cul. Mais j'ai envie que ça soit bien, parce que j'ai envie de regarder, donc t'as le cadre d'un truc, j'ai envie que ça soit bien, mais imagine, c'est mieux que Dragon Ball Super, quand même. On aura atteint un niveau de... Je pense que Dragon Ball sera mort à arriver là. Voilà, les jeux vidéo sont mieux que le truc original. Bon, on n'en sait rien encore, ça se trouve, c'est de la grosse merde sans queue ni tête. C'est tout à fait possible, parce que là, en plus, ce qu'il y a de bien... au vu de la bande-annonce, ils évacuent un peu le côté c'est des humains normaux qui jouent à Dragon Ball Super, à Dragon Ball Heroes et qui se retrouvent dans le monde de Dragon Ball. Ils ont l'air d'avoir évacué ça, alors que c'est un peu ça dans le jeu et dans le manga. Là, on a l'air d'avoir une histoire vraiment originale, ils sont pas dans un jeu, c'est une vraie histoire, quoi. Donc, peut-être que même ils vont trouver un moyen de rattacher ça avec le Dragon Ball Super aussi. Peut-être que ça sera canon ce qui va se passer là-dedans. Pourquoi pas, s'ils arrivent à justifier le bordel. Pourquoi pas ? Mais je suis très curieux de voir ça, quoi. Au final, voilà, c'est une annonce étonnante, surprenante, qui laisse beaucoup d'interrogations, parce que finalement, on sait très peu de choses encore arriver aujourd'hui. On sait juste que le premier épisode sort le 1er juillet, on sait pas combien d'épisodes, on sait pas comment ça sera diffusé. Moi, je sens que ça sera très probablement soit des OAV, soit que ça sortira en DVD, ou soit ça sera un truc diffusé sur Internet, dans tous les cas, ou disponible dans le jeu. Donc nous, on sera baisés, on pourra jamais le voir, tu vois, mais voilà. Donc Dragon Ball Heroes, j'ai envie de dire, pour conclure, pour résumer un peu, j'ai envie de dire, ça a l'air cool, ça a l'air cool, ça va être n'importe quoi, mais ça a l'air cool, et j'ai hâte de voir ça réellement, et voilà. Qu'est-ce que ça peut donner, parce que là on sait que Toriyama il a rien à voir là-dedans, hein, là pour le coup, qu'est-ce que ça peut donner du Dragon Ball libéré, délivré, j'ou envie de dire, du joug de Toriyama. Parce qu'en fait, ce qui se passe au Japon, j'ai l'impression qu'il se passe ça, c'est que Toriyama, il pèse tellement dans le game, il est tellement respecté, c'est tellement un demi-dieu, que même quand il dit de la merde, personne lui dit « Non, c'est de la merde ton idée, Toto, là, laisse tomber. » Alors que là, apparemment, il est pas dedans, tu vois. Ou alors, il l'aurait vendu tout de suite. Il a dû faire les designs des personnages, quoi, maximum, mais l'histoire, c'est pas lui qui l'a sorti, je pense pas. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà. Et si c'est vraiment meilleur que Dragon Ball Super, on pourra se poser la question, est-ce que l'handicap... de Dragon Ball, aujourd'hui, aussi triste, aussi tragique que ce soit à dire, ce serait pas Toriyama. Voilà. Je te laisse méditer là-dessus. Sur ce, je te laisse bien sûr en commentaire me dire ce que t'as pensé de cette annonce, tes attentes, tes craintes, tes peurs, tout ce que tu veux. On est là pour communier autour de la passion Dragon Ball, c'est important. Si c'est pas déjà fait, bah tu t'abonnes. Je t'invite aussi à partager, c'est important de partager. Faut faire croquer les poteaux, c'est important. Tu mets un pouce bleu aussi, ça aussi c'est important. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bisous. Et Dragon Ball ? Dragon Ball, c'est la vie, putain. C'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais. Ouais.